Yo la team, ce soir, petit gameplay nocturne, tranquille, sur Borderlands 1, en compagnie de Lord Roxas, dans la vocale avec nous, peut-être qu'il va nous rejoindre un peu plus tard. Alors voilà, bon, ben ce soir nous allons pouvoir faire de l'XP facile sur Border 1. Monter très rapidement niveau max pour ceux qui sont dans le besoin. Alors hop, on va faire comme ça. Ah ouais, je donne tout. Oh Kiki, t'es en retard Kiki. Hop, allez, on va partager. Non, pas partager sur Border 2. Non, non, non. Sinon, on va se faire taper sur les doigts. Ah, mais t'es au DSL 4A. L'eau, ouais. Bah, c'est hier quand j'ai joué avec. Avec Gand. Je vais le rusher aussi avec ma sirène. Alors. Là, vu qu'il y a les armes perlées corrosives, ça va aller vite. Par contre, je pourrais te conseiller d'enlever des items cheatés si tu veux jouer avec. Dans le DLC. Pas compris. Enlève tes identités pour jouer. Ce sera mieux. Si tu comptes jouer, normalement. Non, là, je vais speedrun. Oh, t'es pas drôle. Non, parce que cette game, là, c'est pour uniquement les lobbies. La sirène. Oui, mais si tu fais pas de lobby et que tu fais dans DLC. Oh, bah après ça, non, ça va être pour monter les. Aller faire les. Merde, les invincibles, tout ça, tous les boss. Alors, toc, partager. Parce que les boss du jeu, enfin. Surtout le dernier boss, il est. Il faut le réussir, hein, parce qu'il est. Il est chiant. Alors, si tu one shot, bon, bah, c'est rien de drôle. Lobby. Ouais. Faut que je me stuff en corrosif. On peut y aller maintenant. J'ai quoi là? J'ai le pistolet, le pompe. Le mode de classe. Voilà. Voilà. Hop. Pim, 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 pim. Je vois que les armes perlées sera plus intéressant que voir un pompe qui est bonne chose. Ouais, aussi, ouais. Thunder, blablabla. Ah, c'est vrai qu'on peut passer les cinématiques maintenant. Un corrosif, tu m'as dit? Là, faut que tu te stuff en corrosif pour ZLC. Au début, tu vas avoir des ennemis de chair, mais tu vas très vite avoir des ennemis qui sont sensibles au corrosif. Oh bah oui. Les robots. Corrosif, ouais. Voilà.
Non. Comment on entre là déjà? Je m'en rappelle même plus. Oh là, les dégâts des imperlés, c'est fou. Oh. Scandale, les dégâts que je leur mets alors que c'est. Ils sont même pas sensibles au coro normalement. Hein. J'affronte des bandits, des sadiques et tout, ils prennent cher. Hein. Genre une balle, il y a une carte de bouclier qui part. Hein. Ah oui. Cendergorge. On va faire un petit partage sur Twitter aussi, j'ai oublié. J'essaie de voir si je peux pas ramener Chantus. On va pas déconnecter sur Discord. Je vais envoyer un message. Allez les gars sur live, n'hésitez pas à partager, à liker. Un petit tweet. Hop. Voilà. Hop. Non, 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 non. Ok, ouais, non, voilà. Bim, 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 pour le papa. Ah bah surtout s'il n'a pas d'internet sinon il serait là. Ok. Bon, en tout cas là j'ai partagé sur la communauté Border, hein.
Pourquoi j'emmène à tuer tous les mobs alors que je suis 69 et que niveau 1 je suis parfait pratiquement? Oui, aucun Je intérêt. perds du temps à aller buter tous les bandits putain. C'est laquelle mission celle-là? Bon, on passe déjà. Non, par là je suis déjà passé. Ah, c'est par où? Je m'en rappelle même plus. J'aime bien, on a laissé le travail pour Hyperion, mais ils attaquent quand même les enculés. D'ailleurs, je me dis que je me referais bien une aventure sur sur Presequel. Ah oui, non, moi, pas pressé qu'elle. Je me demande comment des robots aussi cons que la trappe ils ont réussi à mener une révolution quand même. À quoi? Comment les robots aussi cons que les claptraps ils ont réussi à mener une révolution. À fond. Les claptraps c'est leur chef en plus.
Juste les boss, fais-les sans armes, revends qui one shot et tu vas comprendre la douleur. Tu vas voir. Je suis là pour speedrun. Surtout le dernier boss. Mais speedrun, c'est pas speedrun ça, c'est du rush. Oui, je rush. Et C'est pourquoi tu rush? pareil. Parce que je vais pas jouer éternellement sur le mode. Comment ça? Le personnage que je vais me servir pour les lobbies. Donc tu le fais pas avec un personnage que tu vas pas utiliser pour XP. Comme ça, moi j'aurai la mission débloquée. Quelle mission? Toutes les missions pour avoir accès au boss, tout ça. À part Chromerax pour XP, t'as pas besoin de plus. Hein. Non, mais pour par exemple, si les joueurs ils veulent farmer ou des trucs comme ça. Combat Chromerax pour farmer, c'est déjà une excellente source. Ouais, mais bon, il y en a, tu sais combien ils sont difficiles? Qui quoi? Tu sais combien il y en a, combien ils sont difficiles? Ils veulent le beurre, l'argent du beurre, la crémière. Bah ils se démerdent putain. Attends, si les mecs sont pas capables de rusher une aventure, de la faire eux-mêmes et qu'ils ont besoin d'aller sur la sans Ah, quelqu'un bah après là, d'autre. non, ils seront. Si c'est moi qui leur fais là, pour aller tuer les boss, ils seront obligés de la refaire leur mission chez eux. Ah, c'est même plus de l'aide, là c'est de l'assistance le truc. C'est de l'assistance. Ah là, tu m'as tué là, comment tu m'as sorti ça? Lucas. Lucas Descapery. Bonsoir, bonsoir. Salut. Salut. Bienvenue à toi sur le live. Il est pas là, Kiki? Non, il est pas là, Kiki. Oh, le traître. Il est en PLS à cause du débat zombie infecté. Kiki, il hurle le Kiki. Ah, j'ai un commentaire sur la communauté. Bonsoir l'ami, pourrais-tu me up l'élite? Ah mais c'est toi Lucas, Desca, Desga, Desgaspéri. C'est toi qui as demandé l'aide? Bah bien sûr je peux. D'où le lobby. Oui, c'est Enfin, moi. c'est plus vraiment, c'est pas vraiment un lobby, c'est plus une session. Ouais, aide. Ouais, mais lobby aide XP. Ouais, c'est lui. Ah ouais. Ah ben. Attends, je vais ouvrir la vocale. Si tu veux rejoindre la vocale. Il faut quitter un ami pour rejoindre la vocale, non? De quoi? Il faut quitter un ami pour rejoindre la vocale parce que t'as pas mis la vocale sur la communauté. Ah oui. Ouais. Pas mis de vocal sur la communauté, ouais. Ajoute-moi un ami. Vas-y. Il y a ton pseudo nulle part. Je vais le marquer.
La vocale? Rénommée vocale, on peut pas. Non? Ah non. Bon, tant pis. Pour ce soir, on va laisser comme ça. La publication sur le groupe Borderlands 2. Oh, publication sur le groupe Borderlands 2. Et c'est quelqu'un qui veut désopé. Ouais. Et moi, tu vas attendre. Ou tu te l'es fait toi-même. Ou tu trouves quelqu'un d'autre. Voilà. Tu rejoins pas Lucas Guess Guess pas Perry? Ah si, ça y est bon. S'il est là. C'est bon, il nous a rejoint. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Salut. bonsoir. Hop. Habit Désolé du d'être un peu jour. lent, ma co ralentit. Habit du jour, bonjour. Habit du soir, bonsoir. Hop. Hop. J'ai déjà réussi à trouver ma. J'ai parti lobby. Yes. On va dire que non, pas D'ailleurs. partie lobby. On peut XP très rapidement. Et voilà, pour l'instant. Gros, on farm, enfin, premier axe quoi. Voilà. Oh, je l'ai pas encore fait celui-là. Bon, ça, je l'ai pas encore fait. Je suis en même temps En live. même temps, tu vas augmenter tes expertises d'armes. Je savais pas ça que quand on joue en multi, ça augmente la perquis. Ah oui. Tu me diras, j'ai pas encore joué en multi donc. Lui qui bug un petit peu. Oh, ça bug plus maintenant, c'est fini. Ah, c'est fini ça! Mais Ça si, hier marche. ça a eu bugué un peu, mais très légèrement. Oh, c'est bon savoir ça. Bah, dès que tu veux, tu me rejoins via la vocale. J'essaie de remettre mon compte parce que ça ne va pas du tout, bordel. Et après, bah, on ira à la zone. Ravi de vous revoir. Passons à la phase 2. Mais qu'est-ce qu'elle a ma connexion aujourd'hui? L'ennemi utilise une usine proche pour y reconditionner ses propres claptraps. Cela constitue une Oh, je violation déteste cette date. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Faut que j'aille me perdre encore. Je sais pas si ça rejoint. Ah. Si c'est bon, t'as rejoint. Y a pas de téléporteur là par là? Non, je m'en veux plus. Non. Ah, nickel. Ah bah soit c'est niveau 53 Voilà. déjà. Ouais, parce que j'arrive plus à avancer maintenant. Je galère et en plus j'ai pas de très bonnes armes. T'es bloqué où? À quoi? Là, je suis au début du parcours 2, même je suis en train de faire les DLC. Hop. Bon, les DLC sont pas durs, même si t'as pas les armes de ouf. Bien le bonjour. Oh, je prends assez cher, franchement. Tu fais quel DLC?
Là, j'ai en train de faire la révolution. Ouais, je suis en train de le faire. Pas si dur que ça, hein. C'est pas qu'il est dur, mais ça en fait les mobs de base, ça va, tu tiens le coup. C'est contre du temps contre les boss, putain, déjà des vulgaires, je me fais ouvrir en deux, vraiment. Tu utilises quoi, Station? Quelle sorte d'équipement? Attends, je vais dire ça parce que là je suis en chargement. Avec ma sirène, je suis en. Qu'est-ce que je suis là? Je suis en mode. Putain, mercenaire. Donc, tout ce qui est dégâts avec les SMG. Moi, je te conseillerais plus de te spécialiser, de te spécialiser en élémentaire. En élémentaire. Ok. Oui. Tu mets tes modes de classe en élémentaire, des armes élémentaires, phases élémentaires, tout. En fonction des ennemis que t'affrontes. Ok. Comme ça, tu seras pas limité qu'au SMG, tu pourras utiliser tout. Ok. Parce que là, je suis Il y a des. en... Y'a quoi? Je veux dire, il y a des noms spécifiques pour les modes de classe ou alors. Alors oui, t'as des modes de classe spécifiques qui vont augmenter tes dégâts de certains types. T'en as pour les électriques, le corrosif et le feu. Et je te conseille d'en avoir tout le temps sur toi, de tout et d'avoir un set de chaque élément. Genre tu te fais un set corrosif, un set feu. Bon, un set électrique c'est pas vraiment obligé, mais avoir quelques armes électriques c'est toujours utile. Oh ouais, c'est toujours bon à voir. Toujours Tu tombes sur des utile. ennemis qui sont genre les gardiens séraphins. Ouais, là l'électrique c'est de rigueur. Salut Vardra. Là, par exemple, là, Comment vas-tu je suis dans poto? le DLC des Claptrap Re et je les plutôt. démonte. Salut. Salut Val. Bon, j'irai farmer la salle des coffres. Hein. Ça va, t'as pas raté grand chose, poto. Juste Rien avant, on était qu'avec les sur dégâts Fortnite. élémentaires, genre je passe en phase. Et les dégâts de feu, par exemple, de la compétence Phoenix, ça Phoenix, enfin ça fait des dégâts monstrueux quoi. Ah, d'accord. Ah, ça, je note. Et pourtant, je suis pas en dégâts feu, je suis en dégâts corrosifs là. Ça fait quand même déjà, c'est quand même le taf, quoi. Ah, si tu... Gros miracle à l'institut. Là, si tu pouvais voir les dégâts que je fais, c'est fou. Hein. Les DPS, ils font super mal aussi. Je dois refermer les modes. Bon, ça mettra encore un peu à chercher un petit truc à chercher en plus. Hein. Ouais, si tu farmes les boutiques, ça devrait aller vite. Bah, je farme la salle des coffres dans le DLC de la Révolution. Ah oh bah oui bah ça va vite là alors. Il faut que je termine le claptrap et c'est bon. Là je vais affronter le général Nox. Noxtrap. Merde. Je revis. Non, je revis. Je revis. Viens des revivre avec nous. Ça va aller vite, hein. Vider mes balles de pompe et puis Ah, juste en parlant de pompe, c'est lequel le meilleur? Parce que je le trouve vraiment pas de bon qui équivaut en fait. de bons pompes, Pompe? ça dépend en Ouais. fait. Un excellent pompe, t'as le pompe Gearbox. Ah ok d'accord, c'est un entre guillemets des meilleurs, ok. Il fait des dégâts, il fait des moins dégâts. Ok, bon. Je dois en choper un autre. Ça va être la galère, ça, je le sens bien. Terminus, tout le monde descend. Hop, je te suis que j'ai pas Là, encore fait grand Nox, miracle. il est déjà à 3/4 de sa vie là. Bon, c'est parce que ma maîtrise d'armes est niveau 50 aussi, et que je suis Ah, c'est 109 le et que max. j'ai. Ouais. D'accord. Puis j'y vais au corps à corps sur lui. Hein. Ah, carrément corps à corps? Bah, avec un pompe, ouais, je suis obligé. Ah oui, boy.
Je lui mets quoi? Je lui mets du 1000 par, 1000 à chaque balle. Et du 6000 en critique. 7000 en critique. Alors voilà, Lucas. Là, Toi, il est t'as juste mort. à rester ici. Quand je le tue, je te dis c'est bon, tu prends la porte là. Ok. Ah. Alors Lucas, t'as mis combien de temps à le faire le premier Général Nox du DLC? Ouais, 5 minutes quoi. Je viens de mettre 2 minutes. Putain, 2 minutes. Putain. Moi j'ai mis 5 minutes et corps, je suis mort une fois. Plus un like. Merci, poteau. Merci, merci. Encore une fois, j'utilise même pas d'arme cheatée, tu vois, hein. Sinon je l'aurais fait en un tir. Hein. Tranquille, j'ai réussi à me choper une SMG que je cherchais depuis longtemps, Ça l'Hellfire. va, t'as liké Elle Lucas? est pas mal, l'Hellfire. Pardon? Tu m'as lâché un petit like. Ah, ça fait, c'est déjà fait. Oh, merci, tu t'es abonné? Ouais, ça va. Ah bah merci. Si vous voulez de l'aide, je suis ok. Hein? Tu m'as laissé un commentaire, oui. Ah, mais Par contre, j'ai juste capté, c'est c'est quoi cette Gabin. capacité de bouclier? J'ai juste capté. Il a un bouclier cheaté. What the fuck? Par contre, Gabin, t'as... viens sur comment le t'as... live si t'es Pardon. présent là. Viens parler là, parce que tu parles en commentaire. Si je dois regarder tous les commentaires chaque fois que je suis en live, c'est chaud. Il y a déjà des armes modées en fait. Des boucliers modés en fait. Sur Borderlands. Sur le 1, ouais, c'est le seul truc que tu peux modder, je pense. Enfin, c'est le seul truc que tu peux modder. Tu peux pas avoir Munition Infinite ou. Ah, Rokiki, t'es enfin là. Rokiki. Tu peux passer la porte. Voilà. Et on va faire ça jusqu'à ce que tu sois niveau 69. Nice, merci. Bon, ça Pas va aller vite, je rien. suis à 34. Ça va aller vite. Merci. Bonjour, merci. Il m'a écrit un commentaire. Ah d'accord. Gabin, il m'a écrit un commentaire sur le live juste avant. Gabin, on n'est plus sur le live, hein. On est sur Border maintenant. Faut suivre, Ah bon, je sais pas, hein. il a écrit un commentaire sur Fortnite, ça fait pratiquement déjà une demi-heure qu'on n'y est plus. Chromerax, l'invincible. Question, y a toujours le bug à gauche dans la pente ou pas? Ça Yes. me... c'est... Coussi coussa quoi. Ouais, Coussi coussa. c'est moins abusé que dans sur PS3. Oui, je suis un ancien, j'ai fait le PS3 aussi. Hop. Allez, ascenseur. What the fuck? 25 en SMG? What? Ah putain. D'accord, je viens de gagner 6 niveaux en maîtrise de SMG. Bah, en même temps, t'as vu. C'est Chromerax, ça. Voilà, What? aussi. C'est Chromerax. Chromerax. Possible de récupérer les personnages de Borderlands 1, PS3 et PS4. Oui, on Oui. peut importer. Désolé, j'ai des questions en même temps. J'ai Oui, le oui. chat à côté de moi. Désolé. C'est ça, Kiki. Sauf si t'as, comme j'ai déjà expliqué, un logiciel. C'est tout. Que tu peux le faire directement via la PS4. Ou tu cross-save. Aussi. Cross-save, ça bug.
Ah bon? Ouais. De toute façon, ma sirène sur PS3, elle est moins bien que ma sirène sur PS4. J'avais ma brique niveau 109. Ouais, j'ai bien. J'ai pas pu le récupérer. En gros, safe. Et t'as réussi à trouver les imperlés? Non. Nous, on en a. Ah ouais, déjà? Oui. Ouais. Bah, je te montre. Regarde. Sur le live. Attends, tu me dis quand je peux passer la porte? Non, non, mais sur le live. Je te montrerai les imperlés. Ah ouais! Oh, par contre, j'ai le petit pistolet quand même non plus. Hein? SMG, oh, alors, comme j'ai de l'équipement cheat sur PS3, je risque pas de perdre en transfert sur PS4 à mon avis. Normalement, non. Non, Kiki. Sam, c'est ce qu'il a fait. Souviens-toi, JK, c'est ce qu'il a fait Sam, mais il a pas perdu son perso. Et autre question, vous avez fait comment pour récupérer le bouclier modé là en fait? Logiciel PC ou filé, quelqu'un qui nous l'a filé en ligne. On est en train de jouer, puis un mec argent, il nous a filé des sheets. Du coup, on s'est dit, bah on va les garder, ça peut être utile si un jour pour XP. Et question, la dupli, elle fonctionne pas sur 1? Si, c'est facile, tu peux toujours. Tu peux toujours, comment dire, quitter session et revenir. Ah, parfait, je vais finir le jeu en 1 heure alors. Mais tu l'as pas, Kiki, Border 1, toi? Hop là, Dr. Ned, c'est fini aussi. Bon, Dr. Ned. Tu te tombes, toi? Je vais pouvoir passer à. Comment elle s'appelle? Commandant Steele. Je vais le prendre, t'inquiète. Allez, viens, Kiki, comme ça tu nous lâcheras plein de loot. Eh, si y a un beau client en trop, je veux bien. Il y aura tout en trop par terre. Et je veux bien. C'est bon, tu peux passer à la porte, Lucas. C'est rare que je demande ça, mais s'il y a en trop, je veux bien. D'habitude, je me débrouille tout seul, mais là. Bon, bah, mais t'avais quoi, Kiki, sur. En item bon. J'ai XP, fait ma maîtrise d'armes et tout. Et que moi je pourrais déjà me rush Chromerax. Putain, ça serait bon ça. Des âmes perdues. Alors t'avais un bouclier, un pompe, un pistolet et peut-être un snap et une mitraillette, je me souviens plus trop. Ah d'accord, ouais, t'avais pas tant de. Ouais, t'es comme nous là. Nous c'est ce qu'on a là. Bouclier, pistolet. Moi je gardais juste le flingue pompe et fusil d'assaut. Le flingue et fusil d'assaut je crois, ou je l'ai viré. Je le virais. Là j'aurais juste le flingue. Et le bouclier. Pas besoin de plus, ça prend de la place dans l'inventaire. C'est dommage que je peux pas récupérer ma save de PS3 parce que là oui, là je fais un carnage. Ah merde, là je me crash. T'as crashé? Sur ma tablette, des fois YouTube plante d'un coup. Ah, j'ai cru que c'était le jeu qui avait craché. Là-dessus, j'ai quand même eu bonne co pour le jeu là-dessus. Et YouTube me dit merde de temps en temps. Ah bon? C'est YouTube hein, aussi.
nous aussi streamer des moments où il nous dit merde. Quand t'es en plein live que t'as la fibre et que d'un coup tu vois ton flux qui passe dans le rouge, tu dis ok. Tes abonnés voient plus rien, voient qu'un écran noir. Ok. Elle fait de la masse de dégâts ton vue d'assaut aussi. Il one shot. Voilà, je one shot tout. T'as un modé, c'est ça? Oui. Je crois que j'ai battu mes parties en public, moi. C'est bon, tu peux passer la porte. Ok. J'ai plus que ça, peut-être. Hein, parce que moi, je me rappelle, à l'époque où j'étais sur PS3, bah, j'avais déjà ouais, un inventaire de ouf. J'avais toutes les compétences. Et je me rappelle, ouais, j'avais le... plein d'armes. J'avais quoi? Des armes, des boucliers, les grenades. Il me semble que la seule chose que j'avais pas, c'était les mods. Sans partir du moment où t'as une arme qui one shot un bouclier invincible, t'as besoin de rien. Ouais, aussi. Surtout dans le 1. Même dans le 2, hein. Heureusement qu'il y a pas ça dans le 2, par contre. Oui. Alors, on va regarder si les abonnés ça a bougé là. Ah là on fait du Borderlands, il y a déjà plus de monde. Hop. 417. What? Je l'ai débloqué dans un mur. C'est-à-dire Borderlands c'est la vie. Je vais vérifier voir ce que j'ai. Ah moi j'ai encore le jeu PS3 Borderlands, mais j'ai plus de PS3. Moi j'ai la Handsome Collection, j'ai la Triple Pack Borderlands. Mais bon après, sur si j'avais une PS3, j'en trouve une très facilement. Là, j'ai qu'à regarder en face pour avoir la PS3 moi. De quoi? Dis, j'ai qu'à regarder en face pour avoir la PS3. Hein? Il tourne la tête. Et... non, non, en face, devant moi. Je regarde en face de moi, j'ai ma PS4, ma PS3, ma Switch, et je tourne la tête légèrement, j'ai ma DS. Tout à portée de main. On prend de la vie. Tout à portée de main. Oh, j'aime bien voir tous les niveaux d'expertise monter rapidement. Oh, il n'y a plus de lézard là. Non. Allez, où toi? Tout se loot à terre, tout se loot. Et hop. Tu peux passer la porte. Allez, plus que 9. Ah, en fait, j'ai le live en décalage. Dommage. C'est normal. C'est YouTube. Pareil, j'ai dans les décalages aussi. Ok. YouTube, plus on stream en haute qualité, plus t'as un décalage. Sérieux? Ouais. Putain. Si par exemple demain je stream en 1080p, en 320p, tu verras tout ce que je fais direct. Ah, d'accord. Parce qu'il y a aucun traitement vidéo. Pas du tout ça. Ah
Après, nous, on peut accélérer le temps de décalage, mais ça nous détériore un peu notre qualité de vidéo. Alors, c'est pour ça qu'on préfère perdre 10-15 secondes que avoir un plus joli stream. C'est le bordel chez moi, PS1, PS2, PS3, PS4, Xbox, Xbox 360, Switch. Oh, t'as la Switch aussi, c'est Kiki. Intéressant. C'est une excellente console, la Switch. Ah ouais, non, moi c'est juste PS4, Switch, Xbox One et PC. En vrai, si je fouille, il y a encore une Wii, une PS2, une PS1. Les Wii, ça existe encore, ça. Ouais. C'est possible. Ben vous avez Faut quoi pas les se décimer là, gars? oui, hein. Vous avez quoi? On aurait peut-être pu jouer à des jeux sur Switch en multi aussi. Ça pourrait être marrant. J'ai pas de code sur Switch. Ah merde. J'ai deux jeux pour le moment, j'ai Hyrule Warriors et Breath of the Wild. D'accord. Ah ouais, j'ai la Wii aussi. Toutes ces belles T'as eu couleurs d'excellents après. jeux sur Wii, t'as eu les Mario Galaxy. T'as eu les Mario Ouais, Galaxy déjà, c'est déjà pas mal. Mario Zelda Galaxy, encore sur Wii. Mario Les Kart, Zelda. le Ouais, t'as les Mario Zelda, Kart. Mario 8. T'as eu quelques Metroid. Ouais, oui, c'est vrai. Avec Wii Sport et Wii l'espèce de Sport avec l'espèce balance. de Ah balance. oui, putain. Je me rappelle, ma femme, elle le voulait. Je le veux. Elle s'en est servie une heure, elle l'a jamais retouché. Génial. Je passe la porte. Non, non. Ah non, autant, ouais, je vois tout décor. Ah non, en fait, c'est le Timo qui rapporte l'XP en masse aussi, ce que je Oh vois. oui, il y en a Enfin, des c'est petits pour aussi, lui. c'est pour ça. C'est pour ça que des moments que j'attends. Toi, il te rapporte 35 000. Il est vraiment tout petit. 7 000. Allez, style, c'est parti. Elle va partir moins vite par contre elle. Oh si, elle va partir vite. Oh putain, oui, elle va partir très 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 vite ce style. Oh oui, oh putain. Headshot. Headshot. Ça y est, elle est morte. Je... Avec le pont. Oh oui, le pont lui fait mal, putain. En plus avec mes dégâts corrosifs, Tu peux mon y aller. expertise d'armes. Ok. J'ai cru voir une arme Iridgen mais légendaire. À terre, possible. Ah non, c'est juste deux armes qui chevauchent. Secondes, les gars. Je devrais m'amuser à farm les armes niveau 109. Oh, j'ai quoi le truc à faire en fait alors? Oh. Ça.
D'après me baser au mode dégâts électrique. Niveau 62, on sort. Ouais, ça augmente assez vite en plus avec Chromerax, franchement. Oh. Chromerax, a.k.a. l'invincible. Ou attendez, avant de monter, je vais mettre une vidéo en non répertorié. Sinon je vais me faire spammer de messages. Hop, 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 hop. Creator Studio. Alors, allez où? Allez, on va commencer la série de boss d'ici peu. Oh, il y a eu 25 vues quand même, Fortnite, hein. Quoi? Il y a eu 25 vues quand même, Fortnite. Bah oui, sur le monde, intéresse quand même. Hop, même si on n'a pas fait grand chose, j'avoue. Ouais, mais c'est pour ça que là, je la mets en non répertorié, ça sert à rien. Les seuls qui la verront, c'est ceux qui ont reçu la notif. Allez, c'est parti. Deuxième général Nox. J'ai retrouvé ma sauvegarde de Lilith niveau 64. On va voir ce que j'ai dessus. Vas-y, dis-nous Kiki. T'as peut-être des choses intéressantes. Des âmes arc-en-ciel. Mais avant, j'avais beaucoup plus de temps. Shit, sauf que j'ai perdu toutes mes sauvegardes. Ah, ça arrive. Non, moi je check mes sauvegardes, je les ai, j'ai une clé USB. J'ai une clé USB spéciale pour des jeux que j'ai mis longtemps à farmer, ou etc, etc. Où je fais des copies de sauvegardes de partout. Ah, dis-toi, à la maison, j'ai 1, 2, 3, 3 PC. Sur les 3 PC, j'ai des sauvegardes aussi dessus. Même mes photos, musique, films, dossiers privés, tout est sauvegardé en triple exemplaire. Comme ça, si t'as une couille, oui, t'es obligé de formater ton PC ou de te faire hacker, au moins tu perds pas tes données. Car beaucoup, ben, laissent tout sur un seul ordinateur, ton ordinateur il crame et ben t'as tout perdu. Mais quand t'as qu'un seul PC. Les USB, disque dur. Ah, moi j'en ai partout, hein. Les 3 PC, le disque dur, les USB, console. Ok, j'ai fini le deuxième général Nox. Carte mémoire aussi. Et avant, je sauvegardais mes données sur CD-ROM. Ah non, ça va être merde, le docteur Melzon lui là. Non, il y a plus de petits lézards. Ah, c'est plutôt... Hop. Ah, plus de petits. Tu peux passer à la porte. J'ai un snipe invisible. Oh, je me rappelle du snipe invisible. Ouais, je l'avais lui aussi, moi. Un pompe, un pistolet et un bouclier shit sur l'élite.
Mais il me semble que t'en avais quelques-uns qui arrivaient à avoir en cheat un mode de classe. Mais je crois qu'il était uniquement sur Lilith ou sur Mordecai. Un des deux. Mais je crois que c'était ouais, je crois que c'était Mordecai, parce que je crois que c'était le mode de classe, il te permettait de lancer Sanguine quasiment à l'infini et elle one-shotait tout. En gros, tu te promenais juste, t'avais rien à faire. Ouais, bah autant pas jouer au jeu. À fond. Mais je crois que ouais, c'était ça, c'était Mordecai. Non, c'est comme toi, imagine, là j'arrivais là-haut avec Mordecai et je balançais Sanguine et j'attends. Sanguine à l'infini. YOLO! YOLO! Ouais, il aurait été plus long le mort-vivant en aide là, il est coriace le con. Mais il arrête pas de bouger, surtout quand il passe en mode toupie là, il est chiant. Ah, il fait mal, bon, et ça, il est mort. Next. Next. Là, c'est style. Oh, style, ça va aller vite. Par contre, Et le après, c'est cap-trap, clap-trap. ça va être long. Autre bastion. Défi corps à corps. Encore contre le bastion claptrap. C'est impossible. One shot. Tu es sûr que tu as des armes shit mums? Tu one shot pas le boss. Le premier axe, tu peux pas le one shot. T'es obligé de tirer sur les boules Non. violettes. Sur Ah ses ouais. bras et sur son dos. Et si, regarde pour te montrer, Kiki. Regarde avec l'arme que je joue. Ah oui, c'est Actuelle vrai. la porte. Hein, tu vois, tu parles pour Ok, rien dire, style. Kiki. C'est fini. What? On passe à ta Machine gun. trappe. Tu peux passer la porte, Lucas. Machine gun. Stock machine gun. Eh oui. Chromerax, depuis quand tu peux le one shot? C'est impossible à le one shot. Franchement, je me demande comment ils font pour modéliser tous les arcs comme ça. Sur mon deuxième Logiciel. perso, j'ai pistolet, Oh. bouclier, shotgun Très et dommage, je shotgun connais jeep. rien, sinon. Ah, t'as comme nous. Ouais. T'as comme nous. Ah bah tu vois, bah justement Kiki. Tu te prends Border 1, tu voulais te remettre sur YouTube. Tu te remets sur YouTube et tu fais des lobbies, des XP, t'as des soirées XP à aider les gens. T'as l'abonné en plus. Ouais, mais il a une chaîne aussi, Kiki. Ça qui est où? Vu qu'il n'y a pas longtemps, tu m'as dit hier, je crois, ou avant-hier, que tu voulais te relancer des vidéos. Tu vois, si t'as des armes cheat. Des YouTube pop. Oh, ça fait longtemps ça. Avec 620 abonnés. Moi aussi j'ai une chaîne, mais je vais commencer un let's play sur Dishonored. Mais j'ai pas continué. Je continue un jour. Ah bon? Pourquoi t'avais arrêté? Parce que je dis que je ferai les vidéos quand j'avais envie, puis j'ai complètement oublié. J'ai dû faire deux épisodes dessus, puis Moi au je me suis même fait début, une question de la chaîne. moi au début de ma chaîne, mes tout premiers lives, déjà j'avais pas la fibre, mes lives ils étaient dégueulasses. Je streamais en 320p, c'était affreux. Et je streamais comme ça pour m'amuser. Mais à force de jouer et de streamer, bah maintenant,
pratiquement, c'est ça me fait bizarre que quand je joue sans être en stream. En fait non, le claptrap ça va hyper vite, j'ai déjà descendu 3 quarts de sa vie. Allez Kiki, je... achète ton border. Demain tu vas l'acheter. Voilà, c'est bon, claptrap est mort. Sérieusement? Oui, sans déconner. Et comme ça, hop, tu te refais des vidéos. Je suis mort je sais pas combien de fois contre claptrap. On se fait des coop en live, c'est au pire. Même des trios avec Rox. Ah oui, des trios, hein. Pas oublier. Trio, duo, on se fait des gros lives à plusieurs. On se refait des personnages, au pire on refait un let's play après, à 3 quoi. Après si t'as le matos pour Kiki toi, vu que tu stream aussi et Roxas, je sais pas si t'as le matos pour aussi. Non, moi je streamerai pas, je jouerai c'est tout. On peut, moi perso je peux, toi par exemple en haut de mon écran, je balance ta diffusion à toi aussi. C'est-à-dire sur un live t'envoies deux. C'est-à-dire que moi sur le mien, en gros, on voit le mien, mais en petit le tien. Et toi, tu peux faire le contraire sur ta chaîne, par exemple. C'était le live, en fait. Et ça, je sais que j'ai beaucoup de collègues qui le font. Après, et il paraît que ça marche sur la vidéo. C'est vrai que je l'ai fait en 2 minutes, le claptrap. J'ai fait plus vite que Neurox même. Yes. J'aime pas faire des lives. Ah, toi, d'accord, c'est des... toi, tu fais plutôt vidéo, des gameplay. Gameplay, voilà, ou VOD, tout ça. Si je me prends Borderlands, ça serait possible de me dupliquer tes équipes. Non, shit, non. Je suis démerdé. D'assaut, parce qu'avec un pompe et pistolet, c'est pas ouf. Faudra payer pour ça. Tu me demandes pas en mariage. Vidéo Actus, Let's Play, etc. Ah, d'accord. Ouais, Let's Play, moi, c'est le format que j'aime le plus pour les jeux vidéo. Ouais, à fond. Ah, oh, bon, ça dépend, moi. Des moments, c'est Let's Play. Quand je peux lancer? Je peux... Ah, non. Non, non. Non. Il est pas mort, encore. Ah, j'ai pas l'habitude de voir le décalage, c'est bizarre. Là, tu j'ai peux. Un point de compétence. Là, tu peux. Eh, j'ai eu un point de compétence quand j'ai fini DLC Claptrap. Ah oui. Ah bon? C'est la récompense de fin. Une des récompenses de fin. Ah. Ouais, bon, je sais quoi, bon, j'ai rien. J'ai appris la grosse récompense. Live, gameplay, let's play, astuces, tuto. Ah, bon, du coup, j'ai pu mettre ma compétence du forgeron au max. Bon, après, moi, c'est... Ouais. Je suis multigaming. Mais un jour, au pire Kiki, faut essayer ce que je t'ai proposé. Et j'ai des collègues qui le font, ça. Il paraît que ça cartonne hein, en vidéo. De quoi? De que deux potes streamers se connaissent et que lui qui stream sur son écran principal, il a son stream et en tout petit, il met celui de son pote. Et même s'il joue pour le même jeu, hein, des moments j'ai vu et que ça fonctionnait. Hein. Oh, tous les loots. J'ai un volcano, mais j'ai mieux. Ah, la salle des coffres. Il y a un coffre dans le 1, comme mieux. Le 2. J'ai mieux. Si oui, j'ai peut-être. Oui, tu vas à l'Underdome. Dans la salle des coffres, tu peux loot que c'est certaines armes en fait dans le loot des coffres. Ouais, tu vas dans. Ton emplacement des coffres, c'est à l'Underdome, la DLC. Dès que t'arrives. Tu vas vers la caisse et si tu te rappelles, tu verras, t'as un coffre-fort et hop. Mais t'as pas bien beaucoup fait de place dire l'Underdome parce qu'il faut que j'aille le faire. Je viens de finir de laisser les claptraps là, je vais aller faire l'Underdome. L'Underdome, ouais, t'as 12 places, je crois, dedans. Une grille comme ça. Hein. Il n'y en a pas des masses. Hein. Ouais. Et là, en plus, il est long ce DLC Underdome. Quand tu le fais solo, c'est long. Oh, j'aime bien. Oh, je dis pas qu'il est nul ou quoi, vu qu'il est bon. Ah, bon, j'arrive pas à ce souci.
j'ai pas capté 3 feux obtenus. Niveau 71. 61. Oh, bah nice. Je prends. Ah, oh, c'est bientôt fini. Pense à... Qu'est-ce qu'il me reste comme trophée à voir, celui-là, moi. Je sais pas pourquoi, mais sur ma chaîne, comme je vais jouer beaucoup à la sortie de Border 3, je vais sûrement live que sur ça. Je pense que là, je vais cartonner en vue. Ah, tu peux passer la porte, je l'ai tué. Ok. J'ai 7 boucliers, un pomme shit dans le coffre, MDR. Ça te sert à quoi d'avoir 7 boucliers dans le coffre? Un seul te suffit? Ça me rappelle le boss de Borderlands 2, le fils du Croberax. Le boss le plus useless. Pour les autres persos. Bah, c'est normal que ça s'appelle le fils de Chromerax. C'est parce que. Bah, parce c'est que son c'est... fils. Parce que c'est son fils. Aussi simple que ça. Ah non, je dis pas ça, je dis c'est le boss de Borderlands le plus useless qui se fait défoncer en 2-2. Ah non, non. Il sait pas, c'est Hyperius qui se fait défoncer en 2-2. Ouais. Si tu joues 0 avec Hyperius, oui. Allez, l'Underdome, c'est parti. Encore même pas. Hyperius, quand tu le connais pas, il peut vite être chiant. Hyperius, non, merci. Ah, c'est vrai que c'est longtemps. Bon, c'est son PC. Yes. Donc si c'est bien son fils, c'est donc le père. Oh putain Val. Oh il m'a éjecté, le con. Putain Val, tu me peux faire de la merde. J'ai regardé ton commentaire, ça m'a tué. Dis-moi Val, t'es pas modo pour rien à ce que je vois. Ils ont de l'humour. MDR victime. Kiki, ta gueule. Voilà ta gueule. Ça, c'est fait, non mais oh. La gratuité ici. C'est quoi totalement. Ces modérateurs. C'est quoi ces modérateurs Casburn là? Val, la vengeance est un plat qui se mange froid. Val, tu veux pas venir jouer à The Division 2? Oups, t'es mort. Ah, désolé, je t'avais pas vu. J'ai pas pu te réanimer, je t'ai oublié. Dis-le, je serais un enfoiré si je ferais ça. Hein. Moi, je le ferais, moi. Ta gueule, mais on peut te ban. On peut... Hein? Ta gueule, mais on peut te ban? Ah non, tu veux plus ban, il est modo aussi. Tu veux ban qui? Il veut ban qui? Tu veux ban qui, Val? Toi? Non, tu peux pas me ban, moi, non, c'est impossible.
Pourtant, qu'est-ce que ce serait sympa. Par contre, les graphismes sur PlayStation 3 piquent de ouf. Ah bah, c'est pas pareil, hein, PS3. Hein. Ah oui, PS3, ça... Ça brûle les yeux. Plus, on de PS3. Ça brûle les yeux. Tu joues une heure, tu pleures. Ton niveau 69, Lucas, non? Ouais, je suis au début du 68. D'accord. Début. Ouais, alors je pense encore un chromérax et c'est bon. J'aime bien comme je dis ça, encore un chromérax. Allez, tonton. Dans le DLC de l'arsenal de Knox, du général Knox. Allez, tourne pour moi. Toujours accéder dans à sa salle des coffres avec le glitch ou pas? J'ai jamais su c'était quoi le glitch, moi, j'ai jamais fait. C'est bon, tu peux passer la porte. Ouais, faudrait que je le fasse le DLC, je verrai si on sait quoi le faire. 69, quel beau niveau. Ah oui. Exactement. Il fallait qu'il y en a qui fassent la blague. Et comme par hasard, c'est tombé sur Val. Comme par hasard. Val, demain je t'appelle. J'ai des choses à dire à ta femme. C'est bizarre. C'est bizarre. 69. Nous, on n'a rien dit. Comme par hasard, le seul qui pense, c'est toi. Oublie pas, j'ai ton 06. Je vais t'appeler. Attends. Pas normal tout ça. Inadmissible. J'ai des choses à dire à Madame Valérienne. Je fais quoi? Je te suis là ou quoi? Non, non. Ok. T'es pas 69 encore. Oh. Bientôt, il me reste quoi? Même pas un petit carré? Le l'Enderdome avec l'élite, c'est trop facile. Ah bah ça y est, 69. C'est bon, on va le tuer. Et c'est bon, tu peux monter pour aller récupérer ton loot. Nice, merci. Bon, on en a pour une heure tant qu'il regarde tout, hein, je vous le dis, les gars. Hein. Soyez pas pressés sur le live. Hein. Bon, Chromirax, quand tu veux, tu tournes. C'est quoi ça, la horde? Ça va être des sadiques, je le sens. C'est les petits pyromanes qui te suivent. Des sadiques. C'est même pas des sadiques, c'est des pervers. Allez, tonton. Bon, quand tu veux, tu te tournes.
Ouais, je suis toujours qu'au round 1, putain. Ah oui, t'as échauffement, après le round commence. C'est bon, tu peux monter, Lucas. Ah oui, c'est génial, merci. Et je suis au round 1, vague 4. Et là, c'est les brutaux. Bon, les brutaux, ça va aller vite. Oh, je suis niveau 30 en expertise avec mitraillette et les autres, je suis niveau 20-25. Oh. Et là, regardez l'aspirateur qui va arriver. Aspirateur à l'hôte. De marque Luca Desperi. Dégaspéry. Je suis pas un rapia sur le loot. Là-dessus, non. Yo, Wolf. What? Salut, Wolf. Merde. Pourquoi t'es tombé, toi? Boss. J'ai pas compris, là. Je suis passé à travers. Jack le Borgne. Ah, bon, bah, Zoom, je dois me tuer. D'accord. La reine de Chromérax ne m'aime pas. Pourquoi? T'es où là? Bah en fait je suis dans l'ascenseur en fait. Ah d'accord. Ah c'est normal. C'est normal. Enfin c'est normal. Voilà quoi, tu m'as compris. Ah merde. C'est bon, il a mouru. Toujours avoir un lanceur 4 sur 3. Sponsorisé par Dyson. Par Tyson. Le rire forcé. Bon, la vue est belle, mais passons aux choses. Ouais. Dommage, j'ai pas le bruit d'un aspirateur là. Bon, là je vais me mettre dans un coin pour vite passer en plein milieu de l'ascenseur. C'est bon, ça passe. On va le faire. Oh, les rounds sans bouclier. Ça va être plus dur. J'ai peur. Vous l'avez trouvé où, Chromérax? Ben, à la DLC. Dans le jeu. Dans le jeu. Non, ça n'existe pas des modes où on peut balancer des invincibles comme ça. Non, on peut pas. Wouah, tellement de couleurs. Sucurisien, ça par contre je prends des reliques. Oui, je peux passer de niveau, yes. Au cas où, Wolf, on n'est pas sur le 2, hein. On est sur le 1 là. Mais quel DLC, merci, je sais. Hein T-Bone Junction. L'armurerie de General Mox. Voilà. Ok, voilà. Et après, ben, Chromérax, tu l'as à la fin. En premier, t'auras un boss, après tu retournes en ville, tu vas au panneau des primes, t'as une quête qui s'appelle je sais plus comment, mais... À mort les invincibles, une chose comme ça, je crois que c'est. Non, c'est vous allez mourir. Ouais, voilà, vous allez mourir, voilà. Et après, ben, t'as accès à Chromérax. Vous allez mourir. Yes, j'ai fusil à pompe. De Gearbox. Oh nice. Je mets directement un petit verrou. Ah oh, mais c'est tout pour toi hein, Lucas. T'inquiète. Oh
Oh la Hellfire. Mais on peut plus refaire le destructeur. Non, je pense pas. Je sais plus ça, ouais. De toute façon, vu le combat que c'est pas, ouais, pas très grave. Oh! Non, je connais pas ce pistolet. Violence. Tiens. C'est un pompeur encore. Encore Gearbox. Un pistolet Gearbox. Un revolver. Bon, j'ai jamais chopé celui-là, tiens. Je sais pas ce qu'il vaut, on verra. Oh, de la gravité dans les arènes, c'est stylé. Après, tu vas voir quand tu vas retomber à zéro gravité. En plus, vu que j'apprends des sadiques, c'est parfait. Même si j'ai pas besoin de ça pour me les faire, les sadiques. Allez, venez, les sadiques, putain. Wow. Oh, tous les sadiques, putain. C'est limite flippant. Une hyperverbe bizarroïde. C'est extraordinaire. Bah, faut farmer, hein. Farmer. C'est. Ouais, c'est les nouvelles armes du 1. Elles sont exclusives à la version remaster. Dégâts incendiaires. Ouais, dégâts des shotguns sont doublés. Parfait. C'est quoi les dégâts des armes, bordel? Par contre, l'égaliseur, je trouve pas. L'égaliseur. Oh, il y a des gardiens. Je sais pas qu'on peut avoir des gardiens ici. C'est-à-dire que Moxie, elle a engagé des gardiens pour son arène. D'accord. Intéressant. Elle s'est tapé des gardiens. Tiens, là t'as un rocket gearbox vers moi. Ah ouais, nice. On a une fois des munitions. Wow. Ben, allez. Là, je suis content d'avoir l'inventaire à 45. El Durbio. Oh, c'était l'Arcob. Bah tiens, t'en as un autre ici. Ah, j'arrive. Regarde. C'est le même stat. Non, c'est le même stat. Il n'y a pas de SMG ou quoi là? Bah, je le trouve pas en fait depuis tout à l'heure. Égaliseur. Tiens, là t'as le fusil d'assaut. T'en as même deux. L'un côté de l'autre. Le mugshot. Ah ouais, t'as deux fusils d'assaut là, Gearbox. Je vais voir ça. C'est formidable. Dégâts électrocution, nice. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça.
paillettes, non. Box. What? Oh, je savais pas. Il y avait même un fusil à pompe Jacobs légendaire. Hunter Striker. Oh. Salut Dylan. Salut. Mugshot. Bon, c'est vrai que c'est bizarre, hein. Y a pas de SMG, tu vas me dire? Non. Je vais tout le tour. Ah, parce que je vois pas de SMG, moi. Pistolet. Non. Pistolet. Ou elle doit tomber rarement, je sais pas. Pistolet. C'est vrai que c'est bizarre là. Parce que hier pareil, j'ai essayé de la chercher et j'en ai pas trouvé. Peut-être à l'autre limite. Oh non, je pense qu'ils ont dû mettre toutes les catégories d'armes. C'est formidable. C'est un beau but. Voilà. Il manque juste un artefact. Oh, les armes, c'est celle-là, là. Oh, un cyclope. Les oh, gearbox. Nice. Les armes gearbox. Les gearbox, t'as le must chose, le violence, le hive mind, le silent knight, et je cherche justement le... Comme ça. Le SMG, mais j'en trouve pas. Non, il y a que ça qui est pas tombé en fait. Ouais. Ah, boîte de grenades. C'est extraordinaire. Box, box. Par contre, les modes de grenades mauve, ça existe? J'avais jamais chopé ça. Si, ça existe. J'avais jamais chopé. Ah ouais, même le sac à dos a été refait, il est pas pareil. Le oui. Sac à dos. Tout a été, il y a l'interface a été changée aussi. Il y a des couleurs maintenant. L'ange, son interface a été changée aussi. Enfin, le jeu a été amélioré quoi. Big corrosif. Ah, bouclier. Ouais, non, il n'y a pas de SMG. No. Même pas une Hellfire ou quoi, rien du tout, yes. Ah oh bah je crois qu'après là je vais reformer encore Chromirax. Il faut que cette SMG elle tombe. Oh, je viens de trouver le bouclier. Non, là j'ai fait tout le tour, là je ne trouve ouais, rien. Ouais, mais bon, pareil, ouais, j'ai fait tout le tour des pistolets, fusils d'assaut. Mali One. Ouh, par contre, je viens de tomber sur un fusil à pompe Torg. Pas mal du tout ça. D'accord. Du Torg qui fait dégâts feu. Ah non, RCL mais non, c'est RCNT Dior. Je mets des fusils à pompe.
Ah ouais, putain, il tire vite en plus, ce petit pistolet, pas mal. 9. Juste retirer ça. Tiens, est-ce qu'il n'y a pas un petit film à télécharger là? Les armées gen, je retire. Plus un. Non. Non, j'ai pas trouvé. Ça, c'est un putain de rêve. Hop. Je vais le retirer. Oh mais les armes perlées, franchement, les dégâts qu'elles font, c'est atroce. Insane. Ah, une Hellfire ici. Ah, déjà ça, une Hellfire. Je vais passer devant. Cadence, ouf, cadence de tir. Oh, tant pis, je prends. Je vais pas chier dessus. Électrique 60. C'est extraordinaire. Celui-là, je peux le jeter. J'ai encore des. Je suis en train de retirer tous les vieux modes. Wow, dégâts MG 60%. Il manque juste un mode pour les dégâts corrosifs et j'ai tous les modes. Allez, vas-y. Non, hein. Trop fun. Il manque juste ça et je peux tous les modes. Je pense que je vais m'amuser à rush l'aventure. Tu veux en refaire un ou pas? Je peux savoir. Si je peux essayer de le faire avec toi. Faire quoi? J'ai pas compris.
Tu fais quoi, dans l'enceinte ou pas? Je vous demandais. Un premier axe? Oui. Là, je vais fermer la session, rouvrir la session pour que ça enlève tout ce loot. Sinon, après, on va mettre trop de temps à chercher. Et je vais refaire 2-3 sessions. Ouais. Pour voir si elle tombe, Pourrait c'est rejoindre? Alors, il le aura quoi fameux maintenant? SMG. Si tu veux. Ah, il se nickel, merci beaucoup. J'ai déjà quitté un premier. Wow, ça lag. Après, si tu veux en profiter pour XP à notre perso. Oh, pourquoi pas. Le pire de coup, hein. Le perso que j'aimerais bien. Mordecai ou Brick? C'est voir si la SMG elle tombe. Bon, je vais prendre Mordecai. C'est bizarre Ça qu'il va y aurait toutes changer les autres ça. armes et qu'il n'y aurait pas de SMG. Oui, je l'ai jamais vu sur mes persos celle-là en plus, la SMG. Tu serais au courant ou pas, Rox? De quoi? S'il y en a une SMG Gearbox. Je sais pas, mais je suis jamais tombé dessus. Ouais, moi non plus. Il devrait quand même en avoir une. Il y a fusil à pompe, fusil d'assaut, ainsi de suite. Là, lance-roquette, sniper. Salut, c'est Marcus. J'ai un Je vais truc aller pour voir. toi. Passe me voir à T-Bone Junction. Je t'attends. Hop. Je suis, je vais le voir s'il y a les armes Gearbox, parce qu'il y a pas de mon type. Hé, chérie, j'ai du Ils sont travail vos pour toi. chefs. Passe me Qui voir. prend les décisions qui vont influencer vos vies? Ne cherchez plus. Bienvenue à toi. On y va. On y va. Je ne reste pas ici plus longtemps. Arme Gearbox. C'est pas, il devrait pas bientôt arriver le nouveau DLC pour le 2. Je sais pas. Comment ça? C'est un nouveau DLC pour le 2? Ouais, et une nouvelle catégorie d'armes aussi apparemment. Arc-en-ciel. Ça j'avais vu, mais DLC je savais pas. Je savais pas ça qu'il y avait un nouveau DLC annoncé sur le 2. Je me demande si les armes arc-en-ciel elles sont déjà présentes ou pas, parce qu'il y a plein de personnes qui ont réussi à en avoir apparemment. Ouais, là, apparemment il y en a, ouais. Ou peut-être que c'est des armes qui sont un taux de loot extrêmement rare, du coup il faudrait peut-être aller farmer les nabobitains vite pour voir. Je sais pas. Ce que j'ai vu, il y a juste l'apparence qui change. Il y a juste ça. Il n'y a pas de stats en plus ou quoi. Ah ouais, non. Ça, je confirme, je l'ai lu moi aussi. Que les armes, non, il n'y a pas de bonus, rien, c'est les mêmes. Sauf, elle change de couleur, c'est tout. Ouais, t'as vu le je crois que t'as lu le même message que moi. Il y avait une image de Norfleet qui était juste en bleu, mais qui est bleu électronique, un truc dans le genre. Ça Ouais, sert à je rien crois. alors, c'est que des armes qu'on connaît déjà. C'est pas des nouvelles armes. Moi Ah non, c'est pas des nouvelles armes, ça c'est sûr. Hein. oh, je trouve ça nul. C'est Juste des l'apparence. armes qu'on connaît déjà, mais qui sont couleur arc-en-ciel. Elles ont pas de bonus, elles ont Ça sert rien. à quoi? Je sais pas. Elles changent de couleur, les armes, c'est tout. Ça change juste de couleur, genre ça change pas d'élément ou un truc du genre? Ah Non, non. rien du tout. Rien du tout. Bah c'est nul! Moi j'en ai vu plein sur Twitter qui en ont mis. Ils ont fait voir des vidéos. C'est des armes qu'on connaît et elles clignotent, c'est tout. Elles changent de couleur. Bah ça sert à rien! En gros, ton arme, c'est une guirlande, c'est tout. Moi qui étais hypé pour les armes arc-en-ciel, là ça ne dit plus rien. Ah oui, non, je Et quoi le confirme DLC, que. ça va être sur quoi? Après, peut-être que Je sais dans le pas. lot, il y en aura peut-être une qui sera peut-être pétée. Mais toutes celles que j'ai vues, c'est toutes des armes connues. Reprendre 2. Ouais bah c'est Ah. nul en fait.
Ouais. Moi, je m'attendais à des putains d'armes Arme au début, géniales. c'était pareil, ouais. Quand j'ai entendu ça, je dis, oh putain, des nouvelles armes. Il me les faut. Mais non, finalement, non. C'est juste le skin. Bah, du coup, moi qui me disais que ça allait raviver la flamme pour le 2 et j'irais farmer des armes, bah pas du tout. Après, ça peut Oui, être ça me laissait intéressant de vite les fait. avoir au moins quand on les aura. Peut-être. SMG, c'est mitraillette. SMG, non, pistolet mitrailleur. Oui, mais c'est considéré comme des mitraillettes. Ouais, Dans le jeu. mitraillette, oui. Tu des pistolets mitrailleurs Non. J'arrive pas à Pas voir vraiment, des pistolets le mitrailleurs. DLC. Ils en ont parlé lequel, le 4 octobre? Ça peut. Ah, c'est Borderlands 2 et préséquelles recevront un nouveau contenu téléchargeable. Je suis en train de rouler littéralement sur les arènes. Et pourtant, j'utilise pas de bouclier de shield, pas d'arme cheat ni rien. J'utilise juste mes armes Oh, mais toi, elles cheat. sont à 50, toi, tes armes, je crois. Quoi? Comment ça? Tes expertises d'armes, t'es niveau 50, toi, non? Ouais. Ouais, voilà. Tu as l'arme Sucker Punch? J'ai l'arme Sucker Punch? Non, ça me parle pas. Ce carpet, j'ai le pistolet. Non, c'est violence le pistolet. Non, mais c'est le, en fait, le violence, c'est le revolver et le sucker punch, c'est le repeater. Ah, le Sucker Punch, non, je l'ai pas lui. En fait, c'est pas sûr pour le DLC de Borderlands. En fait, c'est juste des rumeurs. C'est pas sûr. Ouais, mais des rumeurs. Elles ont tous un fond de vérité. Ah, un peu plus coriace ce baron Flynn. Par contre, il vise quand même pied. Je suis devant lui et il a un pompe. Il est qu'un pompe, il me touche pas. Hein. Le baron Flynn dans le Nordome, il faut que tu tournes autour de lui et tu tireras pas dessus. C'est un Moi, bug. j'étais juste devant lui, puis il me touchait pas. Niveau 28. Ça, c'est un putain de rêve. Allez, round 5. Défi SMG, parfait. Tu me dis quand je peux lancer la TP Je suis en train de regarder faire un tour pour voir. Ouais non, là il n'y en a pas. Je regarde sur le live. Vas-y, tu peux. Qui? Un sniper Vladov. Il n'y a Noir. pas de SMG Gearbox alors j'ai fait des recherches sur internet. Ah, il n'y en a pas? Il n'y en a pas? Ce serait bizarre. Et pourquoi il n'y en aurait pas? C'est bizarre. Pourquoi il y aurait toutes À les autres savoir. armes? Parce que l'arme que tu me dis, je l'ai pas non plus, la Sucker Punch. Si moi j'ai la Sucker Punch, je l'ai déjà vu en tout cas, c'est sûr. Je l'ai même dans l'inventaire, je pense. Mais oui, c'est un repeater. Sucker Punch. Mais là, SM... Ouais, mais ça serait bizarre qu'ils auraient fait toutes les armes sauf une SMG. C'est bizarre ça. Je comprendrais pas pourquoi là. Enfin, là, ça n'aurait aucun intérêt en plus. Pourquoi faire toutes les armes et sauf elle?
J'ai marqué Sucker Punch sur Google, j'ai oublié de préciser Borderland. Je suis tombé sur un mec qui fout un coup de poing et qui a des bonbons. D'accord. Je vous précise. Sucker Punch, ça je l'ai vu tout à l'heure, cette arme là, elle est plus stylée au corps encore. Même sans bouclier, j'y arrive. Des surfies là en fait. Quoi ? Il y a Violence, Mudshot, Silent Night, Sucker Punch, Bigger Blaster. Je suis en train de faire. D'accord. Le premier. Mon premier. C'est que là où il nous manquait la. Là il manquait la Sucker Punch. Alors. Oh. Ouais, bah là, je comprends pas pourquoi là il n'y a pas de SMG. Violence, Buckshot. Ah, il fait mine. C'est Rocket ça. Donc, attends. Buckshot, ça c'est le fusil d'assaut. Violence, c'est le pistolet. Silent Night, c'est le snipe, je crois. Oui. Merde, le snipe qui est excellent. Big Blaster. Bah, Big Blaster, ça c'est le pompe. Pompe. Oh non, j'ai mis un arc avec un peu de SMG. What? Non, tu peux passer la porte, il y a pas là. Bon allez, une dernière pour la route. Et après on va couper le live. Yep. Ça va, t'auras bien monté sur le deuxième perso aussi. Ah ouais, non, là franchement. En plus, avec Mordekai, je suis que parcours 1, je suis au tout début donc. Ça va faire plaisir ça. Je vais juste récupérer les reliques avec Mordekai, je vais pas dire d'améliorer mes trucs. Comment rendre malade les viewers sur le live? À fond. Vas-y, tu peux monter. Ouah. J'aurais 3 niveaux en plus contre le boss. C'est un beau but.
Bah non, il n'y a pas de... Laquelle t'as dit là? Sucker Punch, non. Pas eu. D'accord, il faut un niveau pour les reliques. Ah, je savais pas ça, d'accord. Ah, hey, trop facile sinon. À fond. Je ne savais pas du tout ça. Trop facile. Ouais. Je vais quand même les récupérer, je les mettrai dans le coffre. Bon, bien les amis, on va en profiter qu'il ramasse son loot pour couper le live. Voilà. Une autre relique. Ça marche, Val. Bon, ben, au pire, demain soir, je pense que je vais refaire encore une session. Déjà d'une, j'ai fait un event sur Border 2 demain. C'est que demain, ouais, demain soir, c'est. En priorité live sur Border 2 et après on verra sur quoi on va tourner. Alors voilà, bon, sur ce, bah, tous ceux qui étaient sur live, merci de votre présence, merci d'avoir liké, merci pour les nouveaux abonnés. Sur ce, je vous laisse sur le trou final et je vous dis bye bye et à demain.